coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Vous êtes où aujourd'hui? À Jouer Club. Lequel? Celui de Confluence. Oui, tout à fait. Nous sommes au centre commercial de Confluence à Lyon. Alors comme vous le voyez au niveau de la garde-robe des garçons, il fait encore un temps un petit peu pourri quand même. Faut le dire. Donc on s'est réfugié dans le centre commercial et on en profite pour aller faire une petite virée shopping à Jouer Club. Oui, oui, les garçons sont impatients. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Waouh. Là, c'est Avengers qui est mis en avant. Oui, Spider-Man, Iron Man. Et Captain America. Ils sont très grands, hein. C'est très sympa. Et qu'est-ce que tu as repéré, toi, Néo? J'ai retrouvé cette boîte de Lego. Eh oui, c'est celle que tu avais eue à la Pardieu, ouais. Dans la boutique Lego. Swan adore les petites cabanes. Coucou. T'es bien installée chez toi? Oui. Ça va? Il y a quelque chose qui est trouvé, hein. Oh là là, bah oui, c'est quoi ce bazar dans cette maison? Va falloir que tu fasses un petit peu de bricolage. Oui. C'est bien? T'es confortablement installée quand même? Oui, ça te convient? Et coucou! Bah dis donc, elle est grande, hein? Tu te souviens, Swan? T'avais fait un œuf comme ça, un œuf géant avec les figurines. On les retrouve. Regarde, Swan, tu veux un masque Chewbacca? Apparemment, il fait du bruit en plus. Ah, excellent! Écoute! C'est le bruit de Chewbacca. Ah, le monde de Dory, bien sûr. Il sort bientôt au cinéma, celui-ci. Oh, c'est sympa, ça. Petite figurine. Oh, c'est joli. La voilà, Dory. Il y a plein de trucs. Regarde, avec du sable aussi, c'est sympa. Ça peut toutes les couleurs. Peluche, bon, bien sûr. Hein. Disney, comme pour chaque sortie, a mis le paquet. Et il y a des tas de jouets formidables. Regardez, les garçons. Pour parfaire votre équipement, hein. On avait fait la vidéo avec le ballon géant. Et là, pour l'Euro 2016, il y a la suite des accessoires. Oh là là, ils ont fait un rayon incroyable. Waouh. Il y a du choix. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Le jardin du plein air. Oh, il y a même des petits chants d'oiseaux. Waouh, waouh, waouh. Vous avez vu, les garçons? Incroyable tout ce qu'il y a. Pour les nerfs, c'est juste dément. J'en ai jamais vu autant. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Waouh! Il y en a même pour les filles. Ouais, pour les filles, c'est... Voilà, ça c'est pour maman. Nerf rebelle. Très bien, ça me convient bien. Vous avez vu la taille des pistolets à eau? Regardez les copains. Non mais là, c'est plus une bataille de pistolets à eau. Là, on se fait inonder quand même. Hein. C'est le Colossus 2. Oui, il porte bien son nom. C'est absolument énorme. Bon, après, il y a toutes les tailles. Oh là là, bientôt, il va faire beau et chaud. En tout cas, on espère. Et on va pouvoir sortir tous les jeux d'eau. Même un pot d'échappement à bulles. Ce sont tes idées, c'est fou. Le garage de Swan. Oh, excellent. Un Segway. Trop marrant. Segway pour enfants. Oui, un kart Mario, grandeur nature. Trop génial. Encore un kart ici. Petit scooter, moto. Bon, Swan, hein, tu vas pouvoir passer ton permis, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des jouets interactifs. Alors là, il y a un chien. Il s'appelle Cacamax. Cacamax? C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, quelle horreur! Fait des bruits étranges. Ça rappelle le jeu Tuturista, non? Oh! C'est quoi ce chien? Effectivement, il fait ses besoins. Regarde, oui, on voit là la petite fille qui le promène et qui doit ramasser avec une pelle. C'est marrant quand même, c'est comme Tuturista, ces jeux. On ramasse les besoins du chien. Bizarre quand même, c'est autant de succès. Néo, bien sûr, l'appel du ventre. La fabrique de nounours guimauve. Dis donc, ça a l'air bien sympa, ça. Tu sais qu'on a fait la vidéo des guimauves? Ben oui, c'est vrai. On peut fabriquer plein de choses, yaourt, glace, chocolat. Ouh là là, ça a l'air super bon. Hein.
Regarde, il y en a encore plein ici. Waouh. Ce qui me donne pas surtout, c'est ça. Ah oui, ça, ça a l'air super bon. Bar chocolat party. Bah, les copains, si vous voulez qu'on fasse des vidéos un petit peu orientées cuisine, enfin pâtisserie surtout, hein, confiserie, chocolat, etc. Bah dites-nous, on sera très content de tenter ça avec vous en vidéo. Une nouvelle amie pour toi, Swan. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Dark Vador. Bah oui, c'est Dark Vador, bien sûr. Bien sûr que c'est Dark Vador. On avait fait un œuf géant aussi, Star Wars. Tu te souviens, Swan? Eh oui, il y avait Dark Vador. Nous voilà dans le domaine de Neo. Ouh, les Lego. Ça, ça m'intéresse. Hein. Bah, ça, c'est sûr. Superbe, les grosses boîtes. Les Simpsons. C'est quoi ta boîte préférée, Swan? Ah, bien sûr, Angry Birds. Évidemment. Eh oui, on est allé voir le dessin animé. Vous vous souvenez, les copains, on avait fait une vidéo aussi pour l'occasion. On était allé voir Angry Birds Movie. C'était sympa d'ailleurs, hein. Ouais. T'as bien rigolé quand même. Wally. Coucou Wally. Coucou Wally. Et Minecraft. Ah, c'est pour qui Minecraft? Pour moi. Pour le grand, bien sûr. Qui aime beaucoup ce jeu. Alors, Ninjago, évidemment. Et Star Wars, toujours. Toujours Star Wars, incroyable. Beaucoup, beaucoup de choses pour Star Wars, bien sûr. Ah, regarde comme c'est joli ça, Neo. Creator. Bon, c'est à partir de 16 ans par contre, hein. Bah, j'en ai déjà fabriqué un. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est celui-là, d'ailleurs. C'est celui-ci, oui, tout à fait. C'est celui-ci que tu as à la maison. Le cinéma, tu l'avais eu pour un Noël. Par contre, je crois bien qu'il manque quelques pièces maintenant. Depuis, hein. Depuis, malheureusement, on a égaré quelques morceaux. Dommage. Plein de jeux sympas. La girafe. Ils ont énormément de choix aussi. On doit hein. faire quoi en fait? La course au chapeau. Pour récupérer les chapeaux pour mettre sur la tête de la girafe. Et les fun. Oui, tu l'as déjà celui-là, on l'a fait en vidéo. Oui, c'est quoi en fait? Bulle le dauphin. Il faut attraper les bulles. Il fait des bulles, regarde. Le dauphin fait des bulles. Et tu dois les récupérer. Tu dois les attraper. T'intéresse ce jeu? Ah oui, bien sûr, mais Swan, si on l'écoutait, on achèterait tout le rayon. Et qui est-ce? Oui, t'aimes bien ce jeu, c'est vrai. Non. Ah oui, c'est celui-ci. J'allais t'en parler justement. On l'a vu en même temps. Super Mario en puissance 4, trop sympa. Ça y est, te revoilà? T'as laissé les Lego? Oui, j'ai du jeu. Alors, ça, c'est Trésor Détecteur. Un détecteur de trésors. Waouh! Détecteras-tu les clés et le trésor avant qu'il ne soit trop tard? C'est pour les plus grands, je crois. Hein. C'est le rêve de ma vie. C'est quoi le rêve de ta vie? Un Monopoly Nintendo, c'est le rêve de ta vie, Swan? Trop marrant. Pokémon, Pokémon! T'as vu quoi? Monopoly Pokémon. Excellent. Même les pions, ce sont des Pokémon. C'est super. Par contre, Monopoly, c'est à partir de 8 ans, Swan. Sinon, regarde, il y a un Monopoly Junior à partir de 5 ans, comme ça. Mais bon, là, par contre, bah, évidemment, il n'y a pas Pokémon, il n'y a pas Nintendo. C'est ouais, peut-être un petit peu moins attractif pour Swan. Les puzzles en 3D. Regardez comme c'est joli. Superbe, hein. Ils sont énormes. Ah, avec c'est chouette. Tour Eiffel, hein. Oui, Tour Eiffel, Big Ben, Pierce State Building. C'est super chouette, hein. Tu te souviens, Neo, celui que tu avais fait? Il est là. Il est là. Eh oui, la statue de la liberté. C'est très joli, ça. Hein. Neo, tu veux faire ce petit puzzle? Oui, bien sûr. Bah, c'est pas grand-chose, 18 000 pièces. Oh non. Ça va, hein? Formalité. 18 000 pièces. Oh, incroyable. Qu'est-ce que t'as vu? Un énorme Barbie, oui. Oh là là, ils l'ont mis là-haut, je pense qu'ils ne savaient pas trop où le mettre, vu la taille. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Hot Wheels. Ah oui, voiture. Hein. Attaque-requin. Bah, tu l'as celui-là, attaque-requin? Peut-être qu'on pourrait le montrer aux copains aussi, hein, ouais, d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo dessus. Tu voudrais faire une vidéo sur attaque-requin, Swan? Oui, si ce serait possible. Bah, si ce serait possible, on va voir. On va voir si c'est possible. Trouver quelle version, Swan? La maison hantée, oh là là, ça fait peur, hein. C'est vrai qu'on dirait l'entrée de la maison hantée de Nigloland, avec la gargouille, là. C'est vrai, ça ressemble beaucoup. Mais en fait, tu dois battre le zombie. Ah oui. Là, il y a un zombie qui bouche la porte et tu dois prendre ton élan avec le lanceur
Et hop là, après tu détruis le zombie et hop là tu passes. Regardez ce qu'il y a derrière vous. Regarde Swan. Ah, Nintendo. Les Pokémon. Il y a Pikachu là-haut. Regarde, tu le connais, lui? Oui, j'ai vu. Là, il est super évolué. Celui qu'on a, il a juste deux canons ici. Celui-là, il est méga évolué. Ah bah oui, c'est la game au-dessus. Pourquoi des Pikmin? Oh. Ah, c'est quoi ça? Alors là, maman est complètement larguée. Hein. Moi, je connais pas du tout ce truc. Game Watch Mario. J'adore les anciens jeux vidéo. Ah oui, c'est vrai que t'aimes bien. Je suis très très accro à ça. Wow. Il y a même Bowser qu'on peut battre tout ça. Et voilà. Donc c'est difficile à comprendre. Là, il y a Bowser. Là, il y a la princesse. Et je crois bien qu'il y a un Bowser qui apparaît si on joue comme ça. Il y a Pac-Man. Pac-Man? Où ça? Ah oui, c'est Pac-Man. Je l'ai vu en peluche aussi. Regarde, il est là, Swan. Regarde. Hop là. Petit Pac-Man. Si, si, c'est une boîte. Regarde. En fait. Il fait la taille de Swan à peu près. Ouais. Incroyable. Et à l'intérieur, c'est une maison. Ça s'ouvre. Waouh. Leonardo géant. La taille de la boîte, super impressionnant. Hein. Alors là, les Transformers. Waouh. Pareil, il y a plein de choses. Il est grand celui-là, dis donc. Grand Transformer. Ah, le monde de Cars. Ah oui, t'es un grand fan de Cars quand tu étais petit. Ta grande passion. Et là, c'est quoi? Star Wars encore. Oh là là. Star Wars est partout dans le magasin. Partout, partout. Et Avengers, bien sûr, on les retrouve ici. Oh, des petites mains, regarde Swan. Des points juste à la bonne taille. Tu voudrais des points comme ça? Non. Pour faire des batailles. Des petites mains jolies. T'as trouvé quoi, Swan? Oh, Zootopie, bien sûr. Il y a encore des jouets Zootopie, hein. Et Dragon. On aime bien ça aussi. Oh, il est beau celui-là, là-haut, hein. Très grand. Et pas de patrouille, waouh! Tout ce qu'il y a! Oh, qu'est-ce que c'est ça? Terrence. Qui c'est? Terrence? Ah, mais bien sûr, ils sont là! Ils sont là, les Angry Birds. Alors, je montre aux copains un petit peu de nostalgie, mais vous voyez ce téléphone-là? Eh bien, moi, je l'avais quand j'étais petite! Oui, c'était mon téléphone à moi! Tout à fait! Un de mes premiers jouets! C'est trop mignon de retrouver ces jouets-là en vente! Bon, ça donne un petit coup de jus aussi, mais bon, ça c'est pas grave. Le magasin des doudous. Le magasin des doudous. Oh là oui, des doudous partout. Ah, les Popples. Toute mon enfance, les Popples. J'en avais un, bien sûr. Oh, il est joli celui-là. Encore une tortue. T'aimes bien les tortues, toi, j'ai l'impression. Très joli, hein. Waouh, regardez les peluches là-haut, les garçons. Énorme. La taille, hein. C'est fou, hein. Une licorne. Ils sont doux en plus. C'est doux, hein. C'est joli. Les licornes. Oh là là. Super gros. Et les Tsum Tsum. Encore les Tsum Tsum. Et regarde, c'est les Tsum Tsum. Non, c'est pas Tsum Tsum, ça. C'est des gros Mickey. C'est des gros Mickey qu'on peut plier, en fait. Bonjour. Bonjour. Je suis gros Mickey. Au secours. On adopte gros Mickey. Et là, on a quoi? Ah, Alvin et les Chipmunks. Vous vous souvenez de ça? C'était rigolo, hein. C'est sûr que Néo qui avait bien aimé, ah, ça, ouais. Alvin. Le 4, j'aimerais bien regarder. Ah, bon, on regardera. Simpson, Kung Fu Panda... Lapin crétin, bien sûr. Ils sont partout, les lapins crétins. On les voit tout le temps. Ah, le livre de la jungle. Tu te souviens, Swan, t'avais chanté la chanson du livre de la jungle. C'est très sympa, ça aussi. Puis là, il y a des animaux jolis comme tout, hein. Baleines, pieuvres, crocodiles, très ressemblants. Regardez le dragon. Magnifique, hein. Ouais, très très beau. Ils ont un choix énorme. Oula. Ouais, j'ai trouvé une nouvelle copine. Mmh. Araignée et chauve-souris. Mmh. Ça me plaît. Hein. Ça te plaît, évidemment. Moi, ça te fait pas peur du tout. Adoptez-moi. Une bonne tête, c'est vrai. Oh, la libellule. Hein.
super joli, hein. J'adore les libellules. Bon, toi, tout ce qui est insecte, de toute façon, hein. Joli les oiseaux. Moi, je veux celui-là. Ah, ok. Il est beau, hein. Il est beau. Oh, un pigeon. Oh, un pigeon. C'est marrant, ça. J'avais jamais vu encore un pigeon en peluche. Mais tu fais le perroquet? C'est le perroquet. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Comment il marche? Mais il marche pas, celui-là. Je crois qu'il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit. Je suis stupide. Je suis stupide. Ah. J'avais une grenouille. J'avais un oiseau. Un licorne. Il en faut peu pour amuser Swan. Un canard. C'est quoi ça? C'est des zombies. Non, c'est Candy Crush. Regarde. Candy Crush, ça aussi. Candy Crush. En peluche. Sympa, hein. Furby. Ah, Candy Crush encore. On reconnaît ce machin. Mais c'est pas en bonbon. Nous, on préférerait que ce soit en bonbon plutôt qu'en peluche. Hein. C'est bon. L'éléphant est immense. Une grenouille. Waouh, superbe. Hein. Elle est en mauvaise posture, la girafe. Hein. Elle est envahie par des serpents. Pauvre girafe, il faut la sauver. Ah, je crois que ça rappelle un petit peu la journée fun au parc Playmobil. Ah oui. Je me souviens, ouais, c'est sympa, l'air de jeu, tout ça. Ça fait penser aux vacances. On a hâte que ça arrive, hein. Personnage géant, bien sûr. Oui, comme au Playmobil Fun Park. Wow. Regardez la taille du jouet. Et ça se vend vraiment, on peut l'emmener chez soi. Oh là là, regarde la taille des personnages, Sean, ils sont plus grands que toi. Immense. Ah voilà, pour les garçons en chevalier. Super. Ah non, ça c'est du gros jouet, hein. Ouais. On rentre dans le monde des Playmobil. Alors Swan, tu nous fais la petite chanson des Playmobil? Playmobil, à mon histoire. J'écoute ça tous les matins. Oui, Swan la chante souvent. Oh, la ferme Playmobil. J'en avais une quand j'étais petite. C'était pas tout à fait la même, hein. Oui, tu l'avais celui-là, c'est vrai. T'avais les petits cochons d'Inde comme ça. Bah, t'en avais pas mal les Playmobil aussi quand t'étais petit. Hein. Venez, je crois là, un nouveau truc. Qu'est-ce que t'as trouvé? Waouh, il est trop beau. Et regarde ce que j'ai trouvé. Ah oui, le bateau pirate. Oh, le Père Noël, il est superbe. Hein. Oh là là, je me demande si on va pas l'adopter pour Noël prochain bien pour la déco. Fait, hein. Il est joli. Vraiment bien fait. Oh là là, les pirates. Le bateau magnifique, hein. T'avais pas un bateau comme ça aussi, toi, Néo? Ah, mais le bateau fantôme, tu avais eu, oui, c'est vrai, pour un anniversaire, je me souviens. Oh, le château fort, la boîte est immense. Hein. Le temps de monter tout ça. Ça se monte vite parce qu'il y a des grosses pièces. Ça se monte vite, ça se monte vite. La particularité de Playmobil, quand même, c'est qui est-ce qui monte en général ce qu'il y a dans la boîte, hein? Oui, les parents bien sûr, hein. C'est la différence avec les Lego où c'est l'enfant qui monte tout. C'est pas pareil. Oh, sympa. Peut-être pour maman ça. Joli, hein. Oh, j'aime bien. Ah, le coffret cadeau Monopoly. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer, hein. Néo, tu veux une trousse comme ça pour l'école? Une trousse Chewbacca. Trop marrant. Ah oui, les jeux pour la Wii U, bien sûr. On a pas mal, on a déjà la Wii. Bah oui, c'est vrai, vous en avez déjà pas mal les jeux quand même. Oui. Alors, les copains, vous nous demandez depuis longtemps de faire une vidéo avec la Wii U et on y pense, hein, on y pense, on espère pouvoir le faire. Promis, on vous fera ce plaisir, promis. Et maintenant? On va trouver le souvenir qu'on veut. Ah tiens donc, j'ai donné mon accord pour un souvenir? Oui, toi t'as choisi ça déjà, la maison hantée, oui d'accord. Et toi Néo, t'as une idée? Oui. Oui? Allez, vous montrer ça. Allez, on te suit, on va chercher le souvenir de Néo. Comment t'as dit que ça s'appelait ça déjà? Gamey Watch. Pour les connaisseurs apparemment. Écoute, on a trouvé combien? Deux.
deux différents. Alors, Super Mario Bros. Voilà. Et Parachute. Bon, et tu arrives à choisir entre les deux ou pas? C'est marrant, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on emmène les deux à la maison. Comment t'as deviné? Ouais, ouais, d'accord. Alors, Swan, tu nous emmènes nous pour trouver encore un cadeau là? Les jeux de société, bien sûr. Swan, le spécialiste des jeux de société. Prout de cochon? T'es sûr? Non. Oh, c'est une blague. Tu as fait ton choix, Swan? Oui, tourne-main. Tourne-main, voyons voir. On avait vu tout à l'heure ça, non? Cette espèce de grosse main verte. Ouh, puis je crois que ça va plaire à Néo parce qu'il me semble bien qu'il le voulait ce jeu aussi. Quand il était un petit peu plus jeune. Action ou vérité? T'es prêt alors? Oui. Quand tu auras une action, il faudra la faire et quand on te posera une question, il faudra dire la vérité, hein? Oui. Ah. Sur ce, on prend celui-là? Oui. Bon, eh ben d'accord. On adopte celui-là. C'est parti. Puzzle à 33 000 pièces. Oh, encore plus que tout à l'heure. Oh, c'est pas bon. 33 600 pièces. Oh, monstrueux. Oh, mais c'est beau, regardez, c'est la forêt amazonienne. Avec tous les animaux. Oh, une grenouille. Une boîte en bois tellement là, c'est énorme et lourd. Il y a même des roulettes. Petite roulette pour emmener la boîte de puzzle. C'est pour vous donner un peu le poids du puzzle, les copains. Incroyable. Première fois qu'on voit ça. C'est quoi tout ça? Des cartes Pokémon. Waouh! Eh ben dis donc, t'en avais ça aussi quand t'étais un petit peu plus petit. Des cartes, des personnages. Ouais, t'aimais bien les Pokémon, hein? Je crois que tu as transmis cela à Swan. Alors là, ce sont les bonbons. Mmh. Regarde, Swan! C'est la pizza bonbon qu'on avait mangée qui était super bonne. Ah, le Jelly Belly Challenge! Ça rappelle des souvenirs, hein? Donc, vous voyez les copains, vous êtes nombreux à nous demander où on a trouvé les bonbons de Jelly Belly. Bah voyez, ils sont chez Jouet Club, on peut les trouver là. Et voilà, on est sorti du magasin. Alors les garçons, ça vous a plu cette petite virée shopping? Oui, super. Oui, je crois que vous avez été bien gâtés quand même, hein? Oui, vraiment. Oui, ça va. Bon, les copains vont peut-être se poser quelques questions concernant la taille du sac. Surtout que j'avais déjà remarqué, vous êtes très observateurs, les copains. Mais effectivement, il y a aussi d'autres cadeaux. Alors, il n'y a pas que pour Swan et Néo, hein, parce qu'il y a aussi d'autres personnes dans la famille qu'on a gâtées aujourd'hui. Et puis, il y a également des petites choses pour faire d'autres vidéos. Alors, vous verrez en temps voulu, c'est une surprise. Alors, les copains, on espère que ça vous a plu aussi, cette petite virée à Confluence. Les garçons, quel est le rayon que vous avez préféré? Pokémon et jeux vidéo pour Néo. J'ai trouvé la Game Boy. Ah, d'accord. Et moi, toi, Swan? C'est pareil. Toi aussi, t'as préféré les Pokémon? Oui. Et les jeux vidéo. T'as préféré l'endroit où t'as trouvé la maison en fait, les endroits avec les voitures, là, les Hot Wheels. Vous avez trouvé le volcan, le. Non, non. Je regarde à l'expression du visage, c'est pas ça, non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, visiblement. Non, c'est pas ça. D'accord, d'accord. Les copains, quel est le jouet que vous avez préféré? Les mains, comment faire? Pensez au. Et surtout. Abonnez-vous! À bientôt, les copains. Bye bye! Bye bye, tout le monde, à bientôt!